Hey hey! Comment ça va les gens? Bienvenue sur un truc que vous n'avez jamais vu solo! Je vous montre ce que j'ai acheté! Mais avant tout, je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté il y a longtemps. Je vais surtout vous montrer ce que j'achèterai bientôt. En gros, dans les commentaires, vous allez choisir une voiture et je vais débourser de l'argent pour l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, le commentaire du jour, choisissez la voiture de vos rêves. Pour l'instant, on va se mettre beau gosse. Et on va faire des dingueries. Donc si vous aimez cette série sur GTA V Online, n'hésitez pas à le faire partager par un pouce like, parce que je vais en lancer une playlist et série, tout ça, vous allez kiffer. Du coup, pour l'instant, on va voler une voiture pour aller s'habiller, parce qu'avec ce flow Giton plutôt, ou plutôt Johnny, les vrais comprendront, on va pas faire grand chose. Eh oui mon gros. Ok, c'est où les habits? Ça fait longtemps. Bon, pour l'instant, on a combien sur nous? 49 000. Avec 49 000 $, en vrai, on peut bien vivre. Du coup, on peut tenter des habits plutôt cool. On peut y aller. On peut y aller. Bon, ça, c'est pas ma vraie voiture Castor Run. Run Weasley. Et hey, c'est genre, hey, je suis fatigué. Mais quand je suis fatigué, c'est là où je sors les plus grandes blagues, en fait. Parce que quand t'es fatigué, en fait, t'es foncé. Du coup, t'es perdu. Tu fumes de... Regardez la voiture. Oh là 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 là. On peut maximiser notre rapidité. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment je suis habillé. Vous voulez voir un swag galactique? Un swag, ce que. Est-ce que vous voulez voir le swag, ce que? Eh ben vous allez le voir. Un swag, ce que. J'ai perdu mes cheveux, gros. Ok, c'est ici qu'on s'habille. Eh, ça fait longtemps que je vais jouer à GTA. Donc les vrais, les mecs qui kiffent vraiment GTA 5. Après je vais vous montrer mon dégradé et le dégradé du joueur. Et après on va faire une comparaison. Attends, enlève ton chapeau de merde. Psahtaka al bogos, head chapeau. Le petit chapeau qui casse la tête. Inventaire. Et voilà, maintenant ça fait la... mal le mec qui connaît rien. Hein, qui c'est qui t'a dit ça? Hein? Qui c'est? C'est genre, je suis fatigué. Attention, qu'est-ce qu'on peut s'habiller avec quoi? Déjà, on va essayer d'avoir quelque chose de classe. Quelque chose de plutôt... Felicette, quoi. C'est que les Felicette, c'est l'argent. Money, man. Un petit peu de swag argenté. Non, 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 ça c'est plutôt un truc de Depsos, mais bon, on va pas viser. Ça j'ai toujours bien aimé, mais je peux pas parce que c'est niveau 82, et moi je suis pas niveau 82. Du coup, je me désabonne. Eh bah, bien sûr. Donc, on va prendre ça. C'est pas cher. Oh, tranquille. Moi, dis beau gosse, t'inquiète, tu peux prendre. Oh, on rigolait, mais le mec il rigole pas. Eh, juste avec ça, je vais gérer toutes les meufs de la ville. T'es ma... Ça, c'est un truc de... Tu vois les mecs de Châtelet, là? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Les mecs de Barbès, tout ça, là. Non, 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 merci. C'est pas trop mon délire. Mais celle-là, j'aime bien. J'aime bien. Même si ça va prendre la moitié de l'argent, c'est pas grave. Ça reviendra un jour. Limite, je sors juste... Attends, un petit t-shirt, quand même. Oh, le t-shirt, mon gros. T'es ma, les t-shirts. Eh, mon swag galactique, mon gros. Pimp my hakimbo. T'inquiète pas. Bon, t-shirt blanc, on s'en bat les steaks. Ça c'est comme les blédards, là, qui font du foot, tout ça, là. Maillot motocross, tu vas voir un truc japonais, un truc indien, mais what? Frère, mets-toi avec un truc qui est simple, pas trois couleurs. Regarde, même ça, c'est stylé, regarde. Tu mets ça, t'es beau gosse. Limite, j'ai envie de mettre ça, mais on a déjà notre style. On a déjà notre style, t'inquiète pas. Non, même le chapeau, il va bien, en vrai. C'est qui ce concert qui a déglingué mon... Non, mais de toute façon, je suis en passif. Là, je suis en mode beau gosse, tu vois ce que je veux dire? Non, casse-moi pas la tête. Eh, je peux enlever mon chapeau, s'il te plaît, madame? Parce qu'en fait, j'aime pas mon chapeau, parce qu'il est un peu Crocodile Dundee, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, le mec qui a fait Crocodile Dundee. Tu m'as... T'es ma... Elles sont où les chaussettes? Bla chaussettes. Par contre, faudra se trouver des bons mocassins, des choses comme ça, tu vois. Parce qu'on va pas draguer avec des choses nulles, tu vois. Ouais, mais c'est trop bleu. Il nous faut un truc bien assorti. Ouh! J'aime bien les Adidas, là. Attendez, on va faire le tour vite fait. Ah, ça... Non, je préfère les Adidas. T'inquiète pas, j'ai le style. Voilà. Eh, franchement, beau gosse. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires s'il est beau gosse ou pas. Si vous avez bien aimé le style, n'hésitez pas à lâcher un petit like, parce que on va juste enlever le chapeau. Et si on enlève le chapeau, ça fait cool, en fait. Et comment t'enlèves ce chapeau de merde, en fait? Casque, action... On fait comment pour enlever ce casque? Bon, faudra trouver un truc où on peut enlever ces accessoires-là, là. Normalement, c'est ici, les accessoires. Accessoires poignées, non, pas... On reste simple, humble, et pas trop voyant. Comme ça, on rend pas jalouse les autres, en fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, ou tu sais pas ce que je veux dire? Pas de chapeau, voilà. Ni de... d'adrat, non plus.
Non, 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 on n'est pas là pour faire un truc, tu vois ce que je veux dire? Eh, mais comme ça? Eh, il me ressemble. Juste qu'il a des... Non, ne me dis pas qu'il l'a mis ça. Non, 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 ne me dis pas qu'il a mis ça. Bon, on va dire c'est pour le bling-bling. Les petits trucs ici, là, de Depsos, on va dire c'est pour le bling-bling. Tranquille. Bon, là, je vais vous montrer... Eh, t'es ma le swag, frère. T'es ma le swag. Eh, tu vois un mec qui te parle comme ça, c'est bon, tu fonds. Je sais pas ce que tu vas faire. Déjà que le mec, il m'a déglingué ma voiture. C'était pas la mienne, c'est pas grave, je l'avais volée. T'es ma ce qu'on m'a donné. On m'a donné une voiture venue des enfers. Mais t'es malade, je touche pas à ça. C'est le concert, tu touches à ça, c'est bon, tu t'attrapes les bolas. Eh, t'es un ouf. Laissez-moi présenter mon Pip My Hakimbo. Laissez-moi tranquille. Et voilà, tu vois les sauvages. Les sauvages sur GTA. Eh ben c'est ça. Tu viens, ils te déglinguent tout ce qui se passe dans la tête. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils font, mais j'aime pas ce qu'ils font. Du coup, on va aller surtout voir... Excuse me. Et voilà, voilà, voilà. Ils te cassent tout en délire, tu peux rien faire. Eh, ils te laissent pas jouer, tranquillement. Voilà. Tu vois les sauvages? T'as envie de faire un truc simple? Tu te mets en mode... Heureusement, je me suis mis en mode passif, t'es malade. Hey, hey. Eh, c'est plus du GTA, c'est du GTA arabe. Eh, les gens, c'est des ouf. Je vois, il y a un tanko calme, il se balade. Il a cru que c'était le GTA sa mère. GTA sa mère. Avoue, je suis drôle. Avoue, je suis drôle. Parfois, je sors des blagues. Je t'ai dit que j'étais fatigué. Bon, on va prendre une voiture Twingo. Oui, parce qu'on a des enfants. Même la voiture Twingo ne nous aime pas. La Dacia Duster Sandero, 15 490 €. Wow, wow, Hakimbo, tu connais les prix. Bien sûr. Les mecs, ils croient que je suis nul, en fait. Attends. Ok, désolé. Oh, on a pris une Ubermacht. Tu sais, cette voiture, elle me servait... Attends. Il n'y a plus d'Ubermacht. Il y a une Ferrari tout en face, là. Attends, on va l'arrêter. Elle a compris qu'elle va aller se faire voler. Eh, le mec, il a compris. La personne, elle a compris, elle est pas conne. Ouais, bien sûr. Par contre, elle ne va pas, cette voiture. Au revoir, pétasse. Eh, nous, on termine. Regarde. T'es magro. On va partir vite fait à la maison et je vais vous montrer ma petite voiture. Parce que les gens, ils croient que c'est espèce comme ça, mais pas du tout. Attends. Cette voiture, peut-être je la mettrai dans la... chez moi, parce qu'elle est trop belle. Elle est trop belle, cette voiture. Trop belle. En plus, elle est rapide, je parie. T'es ma, comment c'est stylé. T'es ma, conduite accompagnée, t'inquiète pas, même si on n'a pas eu le permis, on l'a eu sur GTA. Sans un Kinder Surprise. Les vrais connaissent. Oh, yo, t'es ma... Ouh. Tu prends le truc, petit dérapage. Oh, calme. T'es ma beau gosse. Est-ce que tu peux la revenir chez nous? Bon, je vais vous montrer la deuxième partie de la vidéo, qui est tout simplement les véhicules. Attendez, je vais tous vous les présenter. Vous allez comprendre pourquoi j'ai des véhicules comme ça. T'inquiète pas. Alors, tout simplement, on commence par la voiture verte. Cette voiture, je l'ai prise parce qu'elle avait un museau comme ça, tu vois. T'es ma. Tu peux lui faire des bisous comme ça, là. Regarde. Un bon truc qui passe bien, en fait, tu vois. Genre, le petit museau à la Pocahontas, à la Calimero, t'arrives, tu peux rentrer tranquille. Par contre, la couleur, faudra la changer parce qu'elle est dégueulasse. Mais sinon, c'est la voiture la plus... moins aimée de ma collection. Après, celle-là, c'est une voiture historique, en fait. Tu comprendras un jour. Parce qu'en fait, celle-là, je l'utilisais pour faire des glitches, avoir de l'argent à l'ancienne. Oui, j'utilisais des glitches. Oui, on m'appelait Lucas Glitcher. Et franchement, je vous assure... J'en ai plusieurs des celles-là, et vous allez comprendre. En fait, je faisais des duplications en tout ça, et ça me donnait de l'argent. Mais ça, c'était à l'ancienne. Tim, ça, c'est pas une voiture, mais c'est ma moto. Eh, au passage, cette voiture, je l'ai achetée à 1 million, je crois, à l'ancienne, ou 500 000. T'inquiète pas, elle est chaude. Tim, cette moto. Moi, franchement, de la vie, franchement, c'est vraiment pas mal. Regarde. Tim, ce style, un vrai truc. Mais après, je vais la tester pour vous montrer. Un vrai truc de Pegassi, frérot. Tim, Pegassi, un truc italien, quoi. Même, je sais pas s'il existe en Italie, Pegassi. Ensuite, celle-là, je l'ai achetée avec mes propres moyens. La Adder couleur rouge sang, bien pétante pour bien te donner le sang, tu vois. Le sang de la veine, comme dirait Joule, tu vois. Bien pétant, tu rentres, c'est bon. T'oublies tous tes souvenirs, tout ce qu'il y a. T'inquiète pas, acheter à 500 000, ça fait plaisir. Et franchement, moi je te dirais que le derrière, ça ressemble à la C-Milan, tu vois ce que je veux dire, la C-Milan. Pareil pour ça, j'ai dû faire un coup de glitcher vu que c'est la même. Pareil pour celle-là, j'ai dupliqué mes voitures pour avoir plus d'argent.
mais malheureusement maintenant on peut plus. C'est là pourquoi je l'aime bien. Théma, ses petits yeux, ils s'en disent, ouais, viens, viens, c'est une petite fleur, en fait, elle dit, viens, rentre dans ma voiture, je vais te montrer c'est quoi le drift. Celle-là, je la kiffe, mais pourquoi je la kiffe? Parce qu'en fait, tu rentres, et tu peux tellement drifter, faire des petits zigzags comme ça, là, tel le petit Zoro quand il découpait ses adversaires en face. Oh là 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 là, franchement, c'était pas du tout mal. Et moi, j'aimais bien, en fait, parce qu'il y a que deux places, que toi et... Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le petit smiley? Ensuite, celle-là, ça a été ma première voiture. Tu te rends compte? Déjà, dès le début, je savais que j'allais faire un rouge sang. Et pourquoi j'ai rajouté du bleu? Tu vas me dire, mais c'est dégueulasse. Mais pas du tout. C'est quand mes adversaires, ils viennent ou n'importe quoi. La couleur avec laquelle je vais les écraser. Un truc bleu, quoi. Un truc qui écrase les gens. Tu vois, tu la sens. Tu sens quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et là, le rouge sang, comme d'habitude, assez Milan, même si on n'aime pas l'assez Milan. Et n'oublie pas, on a pris du fibre de carbone. Tu vois le fibre de carbone, là, pour avoir des muscles et tout ça, là. Oui, le fibre. Oui, la fibre. Oui, aussi pour avoir la meilleure connexion, tu vois. Mais on l'a pris, et on l'a mis sur le capot, gros. Le capot. Je sais pas si le capot, c'est ici, normalement. Et on l'a mis sur le capot, gros. Théma. Capot. El Caporon. Et Théma, celle-là. Oh là 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 là. Celle-là, je l'appelle la voiture Jnung Gang. Si vous êtes de Jnung Gang... Jnung Gang, Jnung Gang, ça veut dire quoi? Phantom Gang. Du coup, si vous êtes parmi les casse-pierres, parmi les petits fantômes qui s'envolent et qui peuvent déglinguer la face, en fait, celle-là est faite pour vous. Vous vous cachez, vous mettez des bombes à l'intérieur, tu vois, ici, là. Et, tu vois, tu les rentres comme des Kinder Surprise, tu vois, tu les rentres ici. Et écoute. Non, moi, écoute. Théma. Habibi, ça fait. Je vais t'attraper pour te déglinguer. Toi et ton père et ta maman, elles prendront cher. T'es mal, la petite figurine. Cette figurine, elle m'a coûté 500 000 euros, vous savez pas? Et c'est pour ça que j'aimais cette voiture. Franchement, elle est bien faite pour pécho des petites vampiresques. Ok, nickel. Bon, ici, c'est un peu l'endroit où je fais de la muscu, y a pas de souci, vous voyez très bien. Ouais, bon, pas de la muscu énormément. Je soulève les grosses caisses, là, tu vois, les grosses caisses, tout simplement, quoi. Ici, c'est mon petit appart où... En fait, je me pose, je regarde la télé parfois et tout ça, la caméra, tout ça. Un petit PC pour monter mes vidéos, tu sais, très bien, au calme. Et tout ça, c'est bien, quoi. Par contre, je vais vous montrer ma petite moto. Théma, cette moto. Théma, les chaussures, Théma, c'est trop stylé. Théma, tu veux savoir pourquoi j'aime bien cette moto? Tu comprendras tout de suite. Tu vas dire, ouais, Hakim, mais t'as aucun skill sur GTR. Le seul skill que j'ai, c'est celui-là. T'en veux plus? Bon, pour l'instant, c'est rien, on est d'accord. Mais tu sais que ça fait 15 ans que j'ai pas touché à ça? Eh bah, regarde le skill. Le seul skill que j'ai sur GTA, c'est ça. Bon, prise à refaire. Attends, faut prendre de l'élan. Faut trouver le bon moment. Théma, là-bas. S'il te plaît, moto, c'est pas que je t'aime pas, mais s'il te plaît, Rachid. Ouais, je l'appelle Rachid, la moto, parce que si tu l'appelles pas Rachid, elle viendra jamais. Ouais, parce que faut lui donner des petits noms comme ça, des petits surnoms, tu vois. Elle s'appelle Rachid. Ouais, bah t'inquiète. Eh, pourquoi tu regardes ma moto, toi? Eh, laisse ma moto tranquille. Franchement, je l'ai acheté trop cher, donc t'as pas le droit de la regarder. Quand t'achètes un truc trop cher, oh, t'es mal au capot derrière. Enfin, t'es mal les petites fesses derrière de la moto, elles sont déglinguées, quoi. Attends, c'est pour te montrer, regarde. Franchement, elle veut pas aujourd'hui, hein. Elle veut pas se montrer. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit like et abonnez-vous parce que ça fait plaisir à la moto. Parce que si vous vous abonnez, en fait, la moto, elle va sentir plus en confiance, tu vois. Du coup, abonnez-vous, s'il vous plaît, parce que la moto, elle n'est pas encore en confiance. Elle veut le soutien des abonnés. Et si vous avez le soutien, regarde, elle peut vous faire des trucs comme ça, tu vois. Théma, t'as vu? Théma, on a créé... Tu vois, elle n'est pas encore en confiance. On a écrasé quelqu'un. Malgré tout, on a écrasé quelqu'un. Du coup... J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce like, à partager la vidéo, à vous abonner. Et je vous retrouve pour une autre vidéo. C'est Akimbo. See you, yeah, baby. Théma, comment il est caché mon perso? Théma, il a pas sauvé de niquer des gens. Théma, il s'est sous le bébé. Théma, ce qu'il fait, il a cru que c'était un chameau, quoi. Un chameau. Subscribe now.